Bonsoir à tous. Donc, merci pour votre présence pour cette dernière conférence de notre cycle annuel de conférences, donc les conférences du jeudi, qui, je le rappelle pour ceux qui ne seraient pas familiers du cycle, est un partenariat entre la ville de Saint-Dizier, donc le musée de Saint-Dizier, l'association Archéolona, et les archives départementales de la Haute-Marne. Donc Franck Rimbaud, représentant d'Archéona pour la partie conférence, et donc Noémie Faux des archives départementales, donc n'ont pas pu être présents ce soir, voilà, donc ils s'excusent de leur absence. Et donc c'est à moi que d'habitude quelqu'un présente le conférencier, et là je vais devoir me présenter moi-même. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc Clément Michon, je suis conservateur du musée de Saint-Dizier depuis maintenant septembre 2018. Donc, ce qui m'a amené dans le cadre de mes fonctions à m'intéresser à la fois aux collections du musée, mais aussi au patrimoine de Saint-Dizier, parce que je m'occupe également d'un certain nombre d'objets patrimoniaux qui appartiennent à la ville. Et pour revenir un petit peu sur ce qui a pu m'amener à m'intéresser aux monuments aux morts, ce qui nous amène ce soir pour cette conférence, c'est le fait que le monument aux morts, donc, qui a été inauguré en 1923, donc qui allait bientôt fêter son 100e anniversaire. Donc ce qui a suscité l'idée de pouvoir faire une exposition notamment sur ce monument, comme il y avait eu quelques années auparavant une exposition sur le centenaire du monument de la victoire de 1544. Donc une exposition qui s'était tenue au musée donc pour le centenaire donc en 2005. Et par la même occasion, on va dire par un malheureux concours de circonstances, au moment où on a commencé à pouvoir travailler sur le monument, la tempête Aurore est arrivée en novembre 2021 et a entraîné donc un certain bris sur le monument qu'on va voir tout à l'heure, et donc ce qui a nécessité aussi sa restauration. Donc à la fois donc l'exposition et la restauration s'est achevée à peu près au moment où l'exposition au musée a ouvert. Donc cette conférence aussi est l'occasion de pouvoir développer et prolonger l'exposition qui a lieu en ce moment au musée de Saint-Dizier, qui est en place et qui aura lieu jusqu'au 20 août 2023, et on reprendra au cours de cette conférence, en développant plus, le fil conducteur de l'exposition. Donc on s'intéresse, alors bien le préciser, mon objectif en travaillant sur le monument, c'était d'abord de travailler sur l'objet, sur la sculpture. Donc on va principalement balayer au travers de cette conférence l'histoire de sa construction, du jury de sélection jusqu'à l'inauguration, et puis aussi un petit peu les derniers développements récents, et également le sculpteur Georges Sopic, qui reste encore assez méconnu à Saint-Dizier, même s'il a eu une carrière tout à fait intéressante. Donc voilà, après, dans les limites du travail, si on peut en discuter, je n'ai pas forcément après fait de recherche sur les 677 braguards qui sont inscrits sur le monument, et toute la question aussi qui est aussi très intéressante, notamment de la recherche et du choix de la définition des personnes qui sont inscrites sur le monument, ça c'est un aspect que je n'ai malheureusement pas eu le temps de traiter. Et donc on verra assez peu pendant cette conférence. Voilà. Je le tiens à le préciser. Donc, on a, pour travailler ce sujet, un très beau fonds aux archives municipales, dont vous allez voir une majorité des documents proviennent de ce fonds. Quelques éléments aussi au musée, notamment les projets concurrents du concours. Et j'ai aussi pu obtenir quelques prêts d'œuvres de Georges Sopic du musée de Boulogne des années 30, donc qui sont visibles au musée en ce moment et qui permettent de voir sa carrière. Mais on verra là dans cette conférence d'autres œuvres de Georges Sopic qui, vous le verrez, étant monumentales, étaient difficiles à amener à Saint-Dizier. Donc, nous allons commencer donc par le début, notamment par la sélection et le choix
de Georges Sopic. Alors, pour revenir à l'origine du projet, on a en fait c'est une volonté de l'Union nationale de la section locale de l'Union nationale des combattants à Saint-Dizier, qui lors de sa première réunion générale, donc le 18 janvier 1920, émet comme vœu l'établissement, la création d'un monument aux morts à Saint-Dizier. Et donc ce souhait est accepté par la municipalité de l'époque. À l'époque, le maire est toujours le docteur Mougeot, qui était déjà présent d'ailleurs en 1905 pour l'inauguration du monument de la Victoire. Et on va avoir la création notamment de trois comités. Donc un comité d'honneur composé de 16 membres, on va retrouver plutôt les personnalités officielles. C'est à peu près ce qu'on peut appeler maintenant un comité de pilotage dans notre jargon actuel. Donc nous on retrouve notamment Émile Imbleau qui est sénateur de la Haute-Marne, monsieur Marcello, donc le député à l'époque de l'arrondissement de Saint-Dizier, le sous-préfet Vatin, qui lui donc siège non pas à l'époque, non pas à Saint-Dizier, mais à Vassy, le docteur Mougeot, donc le maire, différents conseillers d'arrondissement, et aussi des représentants des trois religions qui sont pratiquées à Saint-Dizier à l'époque, donc notamment le curé de Saint-Dizier, le pasteur de Saint-Dizier et le rabbin de Saint-Dizier qui sont présents. Et on va retrouver également des représentations d'associations de combattants et notamment aussi des représentants de la Croix-Rouge. Ça, c'est le premier comité. Deuxième comité, qui est un comité d'initiative, là, qui est principalement composé des associations d'anciens combattants. Donc, si on transcrit dans notre organisation de projet actuel, ça, c'est plutôt le comité technique et sont eux les personnes qui vont mettre en œuvre la création, notamment, de la souscription. Et notamment le comité de souscription, qui, là, est plutôt en charge du suivi de la souscription. Car, en effet, on fait appel pour le financement majoritairement donc au Bragard, et donc il y a toute une souscription qui se met en place et qui va notamment durer jusqu'en 1923. Donc le but est de réunir la somme nécessaire pour l'érection du monument. Alors cette souscription, donc on va durer quasiment jusqu'après l'inauguration du monument. Elle va connaître de très bons débuts, notamment dans les années, dans toute l'année 1920, on va avoir un certain succès. Elle va monter assez facilement jusqu'à 53 000 francs de l'époque. Et puis, après 1921, on va voir les résultats de la souscription qui vont se tasser. Ce qui propose des inquiétudes, notamment pour l'Union nationale des combattants, car on va le voir après, le prix, la somme qu'on souhaite atteindre est de 80 000 francs de l'époque. Ce qui revient actuellement à un montant qui est de nos jours qui serait de 93 000 ou 100 000 euros, à peu près, plus de quelque chose près, avec la conversion du franc de l'époque et puis l'inflation. Donc, on arrive quand même, je précise, bon, je dis un peu la fin, mais on va quand même arriver à boucler le budget fin 1923, après l'inauguration du monument, et donc par aussi une aide, notamment par un don de la Caisse d'épargne de Vassy, qui va donner 2000 francs pour compléter, et le comité d'aviation de Saint-Dizier, dont le président d'ailleurs est aussi le président de la section locale de l'Union nationale des combattants, qui va donner 7700 francs. Et ensuite, ce montant de souscription est complété aussi par une participation de la ville et de l'État aussi qui finance. Donc une fois lancé le projet, il faut donc pour les participants s'inscrire dans le cadre réglementaire de l'État. La construction de monuments est quand même assez précisément normée, notamment il y a deux lois. La loi donc 2816, qui est la première, et une loi de 1919, créée notamment avec l'occasion la grande construction de monuments, qui doit être mise en place, qui réglemente ceci, et notamment l'État, pour financer la construction de monuments, est quand même très attaché à la qualité artistique. Et donc, on voit d'ailleurs, donc ça c'est une lettre du préfet de la Haute-Marne au maire de Saint-Dizier, donc, qui est écrite en mai 1921, où il va lui rappeler notamment les règles. Et vous avez exécution artistique. Donc,
Donc, il reprend des instructions qui sont générales pour l'État. Mais donc on a cette phrase qui est assez intéressante. Tout d'abord, il m'a été signalé, j'ai l'occasion de constater par les croquis joints au dossier que les projets présentés sont dus pour la plupart des cas, soit à des industriels qui n'hésitent pas à les entreprendre en série dans un but exclusivement commercial, soit des sculpteurs, architectes dont les productions n'ont sont trop souvent loin de répondre à un souci d'esthétique pour conseiller et guider la municipalité dans cette crise. Je vous prie de vouloir bien réunir au chef-lieu de vos départements une commission chargée d'animer. Donc l'État cherche à quand même chercher à garantir pour valider ses subventions, notamment garantir la qualité esthétique. Alors ce qui est intéressant dans ce document, c'est qu'on le premier, on voit très bien qui est visé notamment. Ce qu'on peut se poser la question, pourquoi Saint-Dizy a fait le choix d'un monument en pierre et non pas quelque chose en fonte. Ça a pu être le cas pour le monument de 1905 avec toutes les entreprises qui sont présentes sur place. Et ben c'est parce que il fallait pouvoir toucher les subventions, puisque là, quand on dit des industriels qui n'hésitent pas à entreprendre en série dans un but exclusivement commercial, on voit tout de suite que qui sont désignés les fonderies qui, à l'époque aussi, produisent et proposent sur catalogue un certain grand nombre de monuments. Et ça, l'État ne veut pas ce genre de production. Et donc, il est demandé, et il sera demandé aussi, pour le choix du monument, de mettre en place notamment un jury de sélection pour garantir la qualité du projet. Alors, on a d'ailleurs ici la répartition, donc dans ce document une attestation, donc on est un peu plus tard, mais c'est intéressant justement par rapport à cette question de souscription. Donc la répartition des coûts, alors je suis désolé, des documents d'archives, je me suis rendu compte, passent un peu mal sur le grand écran. Donc sur les 80 000 francs, donc on a 10 000 francs qui sont inscrits au budget de la ville. Donc la subvention de l'État, qui n'est pas encore désignée, mais qui va atteindre à peu près, elle sera d'environ 1100 francs, bon, l'État ne sera pas forcément, et le produit de la souscription publique qui viendra compléter. Donc c'est ce que... Donc on a l'Union nationale des combattants et la municipalité m'ont organisé une tour de sélection. Donc on va avoir un premier tour, où en fait, là, assez ouvert, où les différents artistes ou personnes qui veulent proposer un projet pourront amener dans les locaux de l'Union nationale des combattants tous les projets qu'ils voudront soumettre au jury. Et ils ont jusqu'au 31 janvier 1921 pour faire ça. Et donc, on va voir aussi le public qui sera invité à aller voir et voir les projets, notamment dans le local de l'Union nationale des combattants, à Saint-Dizier, et on a par exemple un exemple qu'on a au musée, projet de monument aux morts, donc qui a été fait par un professeur de dessin à Saint-Dizier, et on a justement un soldat de retour de la guerre, donc là dans une approche assez apaisée, donc avec sa famille qui vient le couronner de laurier. Donc un projet qui n'a pas du tout été retenu. Alors, on a assez peu d'éléments sur les artistes qui sont présentés pour ce premier tour. La plupart des informations viennent des articles de presse qui relatent un petit peu les artistes, certains artistes qui ont déposé des projets. Alors, je suis allé un peu loin. Et à ce thème. Bon, excusez-moi. Une diapo qui est partie. Et donc, on va voir quelques noms qui vont sortir. Donc, Georges Sopic, bon, quand il dépose son projet, ça a été relevé par la presse. L'architecte Gilliot, qu'on verra aussi, qui est l'architecte de la ville, lui, dépose beaucoup de projets, il en dépose au moins 3. On a un article de presse qui dit qu'il en a déjà déposé un et qu'il en ramène 2. Donc il est assez productif. On a un autre sculpteur, Ben, qui va déposer 2 projets, qui ne sera pas retenu ensuite, mais il l'a quand même créé pour Saint-Dizier, puisqu'il était le sculpteur qui a fait la première version du monument à Jean Jaurès, qui est visible dans le square Jean Jaurès. Alors c'est pas celle qu'on voit maintenant, parce qu'elle a été détruite pendant la guerre, mais c'est le premier monument qui a été fait dans les années 20,
Donc, dont il est l'auteur. D'autres sculpteurs un peu moins connus, on note les noms de Lafauche, Buson, Béraudière et les Fonderies du Val-d'Aune aussi qui vont proposer un projet, mais qui ne sera pas retenu. Alors, là aussi, l'intérêt, je parlais de cette somme de 80 000 francs, l'intérêt de cette première phase du jury, c'est que les artistes doivent aussi indiquer le coût estimé du projet, et ça permet aussi à l'Union nationale des combattants, à la municipalité, de faire une certaine moyenne des coûts et d'établir, pour le deuxième tour, la somme finale, le montant que devra coûter l'œuvre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il fixe ce prix de 80 000 francs, qui est une moyenne des coûts proposés. Donc, on a cette première phase, et à l'issue, va se constituer un jury. Donc là, vous avez un document, c'est un rapport sur les opérations du jury, donc qui est un document qui est très intéressant, qui va détailler tout notamment le détail. Donc, alors, parmi le jury, on va retrouver des élus de la ville, notamment le docteur Mougeot et trois conseillers municipaux. On va avoir donc quatre membres du comité d'initiative, donc des membres des associations des anciens combattants, dont André Bruyard, président de la section locale de l'INC, on va le voir plusieurs fois dans cette conférence, des représentants des familles des morts, deux personnes, alors Monsieur Laurent et Madame Veuve Fernand Rémy, et trois personnes qui sont là au titre plutôt de personnalités qualifiées. Donc on va trouver Émile Humblot, donc sénateur de la Haute-Marne, mais là qui est plutôt sollicité en tant qu'artiste, puisqu'il est aussi artiste peintre, graveur. On a quelques-unes de ses œuvres au musée. Et donc c'est plutôt là sur cette dimension-là qu'il est sollicité. Donc Gaston Roussel, qui est à l'époque le conservateur du musée. Le docteur Chaussinant, qui est aussi donc qui est chef de l'hôpital psychiatrique. Qui est aussi assez connu puisque c'est lui qui a fait l'installation de la marina, donc avec les sources de fer ferrugineuses, et qui pour la partie archéologie a aussi fait quelques travaux de fouilles au Crassé, notamment avec ses patients. Et le chef de la section locale de la compagnie de chemin de fer de l'Est, monsieur Gantner, qui est aussi qui fait partie du jury. Ce jury se réunit une première fois le 2 avril 1921 et va statuer sur les quatre projets qui seront finalistes et qui seront admis à participer au second tour. Alors là, justement, oui, il y a eu une petite inversion dans les diapositives. Donc là, c'était notamment les articles de presse qui relataient le. Donc on voit assez mal. Mais ce sont différents articles de presse qui relatent notamment les arrivées de personnes au sein l'arrivée des différentes candidatures pour le premier tour. On avait là notamment tout un article qui présente qui évoque justement le fait que Giglio, l'architecte de la ville, propose de projet. Et là, c'est un article qui relate la candidature de Georges Sopic. Donc, premier projet en lice. Donc, projet de Georges Serraz. Alors, donc c'est un. Donc, on a au musée, encore dans les collections, deux projets finalistes, mais non retenus, puisqu'il était après convenu que les participants au deuxième tour faisaient leur maquette devenait propriété du musée. Donc on a les deux projets non retenus, pas le projet vainqueur, puisqu'après il est retourné à son auteur pour pouvoir construire le monument. Donc on a c'était un projet qui voulait être assez imposant, donc qui devait plutôt en longueur, donc 7 mètres de large pour 6 mètres de haut dans les propositions de l'artiste, qui devait être situé sur un tertre qui devait faire 12 mètres de large et 25 de haut, donc quelque chose d'assez visible, et qui représente trois soldats en action. Le titre est une vague d'assaut. Donc nous avons qui évoque pour chacun chacun des personnages et exprime notamment un des aspects de l'héroïsme du soldat pendant la guerre. Donc un soldat touché
qui est ici, il se sacrifie, qui évoque le sacrifice. Un personnage donc, en train de s'élancer, grenadier, donc, qui est dans l'héroïsme, et un poilu qui prépare son saut, notamment, donc là c'est l'évocation du mépris du danger. Et on va notamment y évoquer, alors on voit c'est mal, mais la présence de Verdun en rappel évidemment à la proximité de Saint-Dizier par rapport au Verdun et à son rôle dans l'acheminement des troupes sur le fond. Donc voici le premier projet. Deuxième projet, donc celui de l'architecte de la ville, Gilliot. Alors là, on est dans quelque chose de complètement différent, puisqu'on est dans un arc de triomphe, donc avec une structure quand même assez classique, qui devait faire 16 mètres de haut, 14 mètres 40 de large, on pouvait passer en dessous. Et donc, il proposait de le mettre donc sur l'avenue de Verdun, donc juste avant le pont qui enjambait le canal. Donc là où on a maintenant à peu près le rond-point devant le François Ier. Il est couronné au sommet donc de trois figures allégoriques, le soldat revenant de la guerre. Nous avons ici, alors le soldat. Il doit être là, revenant de la guerre. Une femme, donc la femme qui évoque le rôle des femmes qui ont tenu les exploitations agricoles pendant que leur mari était au combat. Et l'ouvrier qui a permis aux usines d'armement de continuer à travailler. Donc c'est le. On a deuxième personnage, un projet qui a été retenu, Landowski, mais pour lequel nous n'avons aucune indication, puisque celui-ci n'a jamais envoyé son projet à Saint-Dizier, donc forfait d'office, et donc nous ne savons pas quel était son projet, qu'il a sans doute dû déposer au premier tour, mais qui n'a pas, mais dont on n'a pas de trace. Et le projet de Georges Sopic. Alors, on a là. Il y a un projet, donc l'ensemble qui fait aussi environ 7 mètres de haut. Hop. Juste reprendre. Passer mes notes. Non, elles ne sont pas là. Hop. Donc l'ensemble fait environ 7 mètres de haut sur un socle, avec des personnages qui sont un petit peu plus haut que la figure humaine, environ 2 mètres. Une composition donc avec une représentation de la victoire ailée en train en situation en train de se poser sur laquelle un soldat poilu donc se repose en fait avec l'idée qu'il est victorieux et il peut maintenant profiter des bienfaits de sa victoire en se reposant dans les bras de la victoire. Elle a donc les ailes déployées. Alors, dans le projet de Sopic, les ailes étaient censées être en bronze, donc avec un jeu de couleurs intéressante, voire que ça a été modifié par la suite. Et nous avons au niveau sur le piédestal, donc assez important, sur lequel ensuite seront placés les noms, deux bas-reliefs identiques, donc représentant des lanceurs de grenades, donc en train. Donc vous avez le jeu qui représente les différentes étapes en fait du geste du soldat en train de lancer une grenade. Donc dans un mouvement, on va dire une décomposition du mouvement qui est assez cinématographique et avec le long d'une grande diagonale ascendante, voir ici, donc qui donne aussi un certain élan au monument. Alors, les réunions du jury et les modèles sont déposés à l'hôtel, sont installés à l'hôtel de ville, dans ce qui sont à l'époque les salles du musée. Alors, il y a aussi des préparations. Alors, ça, c'est une petite note que j'ai trouvée assez intéressante. Donc, c'est Gilliot, donc, qui est à la fois mon architecte qui est chargé de la présentation, mais qui est aussi candidat. Donc, on lui rappelle qu'il faudrait que les maquettes des candidats soient quand même placées un peu au centre et pas contre le mur, qu'on puisse faire le tour et qu'ils garantissent une égalité de présentation et qu'ils ne cherchent pas juste à valoriser son projet.
Alors, on a ensuite donc une première donc le jury se réunit pour la sélection le 10 juin 1921. Et là, on se retrouve avec une situation de blocage puisque les votes vont être assez équivalents. En fait, le projet de Georges Seurat, que l'on a vu le premier, obtient 6 voix. Le projet de Gilliot obtient 6 votes, donc égalité parfaite. Et Georges Sopic, par contre, lui, se retrouve de manière ce qu'on ne pourrait pas s'attendre, en dernière position avec 2 voix. Mais on ne décide pas de l'écarter pour autant, ce qui ne permet pas de départager. Et on fait 3 votes successifs et personne ne veut changer d'avis. Parce qu'on suppose que on n'a pas le détail qui a voté pour qui, mais on suppose que ce sont les mêmes personnes qui ont été. Et alors, dans ce notamment rapport du jury, c'est assez intéressant puisqu'on explique notamment ici. Alors, quelques incidents ont précédé et marqué ces différentes réunions. Donc, on suppose que les débats ont dû être animés. Et alors, sans doute un texte qui vient de la municipalité. Puisque c'est un texte qui essaie de justifier en disant que, bon, que les votes ont été assez impartiaux et que donc on a notamment, alors ce qui est intéressant, devant noter qu'à la suite de ces incidents, donc l'Union des mutilés, donc il y a une autre association qui a fait le choix de rentrer dans le jury, donc ça a été cette demande a été écartée, le jury ayant décidé par donc on a 14 personnes par 8 voix contre 5, qu'il ne pouvait être inscrit de nouveaux membres en cours d'opération. Donc, on a aussi des manœuvres pour essayer de faire rentrer de nouvelles personnes pour faire basculer les votes d'un côté. Alors, et ensuite, alors nous n'avons aucune raison de tenir secret que le fait que ces 5 voix favorables à l'entrée des mutilés dans le jury comprennent celles des 4 représentants du conseil. Donc, au conseil municipal, je précise. Également, nous pouvons indiquer le vote des délégués dans la question du choix du monument. Donc, à peine avons-nous besoin de dire qu'il n'avait point reçu le soin de voter pour un projet plutôt que pour un autre, mais bien que pleinement libre, chacun de sa décision, leurs votes se sont présentés pour faire le choix du monument de Monsieur Gilliot, comme par hasard. Donc, on voit ce document est assez intéressant puisque même si les votes sont secrets dans les différents articles de presse, on ne sait pas qui était pour qui. Là, le document indique quand même que la municipalité voulait choisir son architecte puisqu'il y avait 4 membres. Donc là, on en a 5. Essaye de passer son architecte et que on a plutôt, parce qu'on voit dans d'autres articles de journal, notamment une lettre dans un article de journal, on a des représentations des associations d'anciens combattants qui disent, avant la déclaration du jury, qu'ils ont un projet très clair qui est en tête de leur côté, qui est leur soutien et qui n'attendent qu'une chose, que le jury passe pour que ce projet passe. Donc on peut supposer que les anciens combattants plutôt favorable les représentations sont plutôt favorables au projet de Seurat. Ce qui peut se comprendre d'une certaine manière, puisque vous avez un projet qui va plutôt démontrer l'héroïsme du soldat, l'expérience de la guerre et la rendre visible, même si on a, voilà, par contre, avec un expressionnisme qui est assez quand même marqué, et un projet qui a plutôt plus pour but de faire un élément d'embellissement de la ville et qui est beaucoup plus classique et consensuel, ce qui devait peut-être davantage convenir aux élus de l'époque. Et donc, on est bloqué, notamment, et oui, aussi, ce qui pouvait intéresser la municipalité, c'est que le projet de Georges Seurat, on le voit, la structure est quand même assez ramassée et située sur un tertre assez loin. C'était un petit peu difficile de mettre les 677 noms et de les rendre visibles par tous, ce qui était quand même plus facile sur le projet de Gilliot, qui est un très grand monument et qui permettait assez facilement d'indiquer les noms. Et là, on a également dans le document la référence de la part des. Donc on ne sait pas qui est l'auteur de ce document, je précise, mais ça vient de la ville. La volonté de marquer dans le choix du monument la victoire du droit et le retour à l'ordre et à l'apaisement. Donc plutôt l'aspect.
la dimension pacifiée après la guerre. Donc, pour sortir de cette situation de blocage, on demande de l'aide à la direction des Beaux-Arts pour départager. Et donc, deux personnes sont dépêchées par le ministère. Donc, Jean Boucher, qui est un sculpteur, et Monsieur Lefebvre, je ne sais pas si on a trouvé son prénom, qui est architecte. Et donc, ils vont s'adjoindre au jury et donc aussi aider à la décision et participer au vote. Et donc, le jury doit se réunir une nouvelle fois le 13 juillet 1921. Et là, ce sont ces deux personnes du ministère qui vont faire basculer les votes. Ce qu'ils vont quand même davantage soutenir apparemment comme la candidature de Georges Sopic. Pas forcément précis pourquoi, mais comme dans les documents, ils vont plus de quand même leur venue va provoquer quand même un retournement du vote. Ce qu'on va voir, donc un premier vote où Sopic et Georges Serraz vont arriver à égalité tous les deux avec 6 voix. Gilliot va se trouver en minorité avec 4 voix. Très certainement les membres du conseil municipal. Et donc Gilliot va être là pour le coup, on va éliminer le dernier candidat et donc faire un deuxième tour où Sopic va l'emporter avec 10 voix. Contre 6 voix comme Serraz, donc très probablement les personnes qui ont voté pour Gilliot se sont reportées sur le monument de Georges Sopic, qui leur convenait sans doute mieux. Je vais faire maintenant un petit arrêt sur Georges Sopic, notamment alors qui est-il lorsqu'il candidate à Saint-Dizier en 1921. Donc Georges Sopic est né en 1889, donc il est né à Paris. D'une famille, donc après j'ai eu du mal à retrouver, manquer un peu de temps dans la généalogie, mais son père est originaire de Saint-Dizier, donc dans une manche de la famille, donc il est lié à la ville d'une certaine manière, même s'il a passé toute son enfance à Paris. Donc il est sur ses études, notamment au collège Stanislas, où il commence à dessiner, et donc il obtient son bac en 1906. Et il entre à l'école des Beaux-Arts, donc il est l'élève d'un sculpteur Poutan, et pas forcément des études qui vont lui plaire. Donc à cette époque, il va notamment beaucoup s'intéresser aux écrits de Huysmans et de Ruskin, notamment les travaux sur la nuit. Et il va, à partir de 1910, délaisser l'école des Beaux-Arts, et faire plusieurs voyages en Italie, en Espagne, en Belgique, en Hollande, à travers l'Europe. Fin de l'année 1910, il fait son service militaire pendant 2 ans, et il décide de le passer à Reims pour profiter de la présence de la cathédrale, notamment de nourrir son inspiration, qui est un des monuments qu'il apprécie tout particulièrement. Après, à la fin de son service militaire, il va quitter l'école des Beaux-Arts, et il va entrer dans l'atelier d'un élève de Rodin, Aristide Rousseau, dont il a fait la connaissance grâce en fait à une de ses connaissances qu'il avait fait à Reims, donc un sculpteur et moi qui s'appelait Valbaum. Et durant ces années dans l'atelier de Rousseau, il va là faire beaucoup de dessins. Puisqu'il va reprendre en fait certaines méthodes qui étaient mises en place par Rodin, notamment de travailler à rédiger ce qu'on appelle des profils, c'est-à-dire des dessins, des représentations pour notamment nourrir son regard. Georges Sopic d'ailleurs disait à propos de cette période, Rousseau m'ouvre la porte d'une tradition vivante. Méthode de travail par les dessins que Rodin appelait profil dans le sens que donnent les architectes à ce mot. Méthode à la fois rationnelle et sensible, d'étude de la nature et dans sa construction, sa vie, son épiderme. C'est comme une espèce de philosophie de la vie en développement, rapprochée du bergsonisme, de l'impressionnisme, du debussisme. Cela devient pour moi une révélation et presque un mysticisme. Donc on a ce travail du dessin. Quelques années à la fin de sa vie, notamment, il dira à propos de la sculpture. Donc la sculpture est le résumé, la condensation de tous les dessins, de tous les contours que l'artiste a pris sur le modèle vivant, c'est-à-dire les profils, vus dans tous les sens, se complétant et se corrigeant les uns les autres. Voilà.
Mais ces profils, l'artiste les enregistre et les traduit dans son tempérament propre en les simplifiant, les exagérant selon ce qu'il voit simple ou qu'il ressent dans une hypertension de la nature en elle-même. Également auprès de Rousseau, il y a aussi donc un aspect de la sculpture, puisqu'on a un certain débat, ce qui va beaucoup l'intéresser, on va voir dans ces monuments, c'est la taille directe. Puisque jusqu'au début du XXe siècle, le sculpteur est avant tout, contrairement à peut-être l'image d'Épinal qu'on peut voir, c'est avant tout un modeleur. L'artiste sculpteur, il travaille la terre glaise, il lui donne ses formes, et après, il va confier, une fois qu'il a un modèle en terre glaise qui lui convient, il va en faire tirer un moulage en plâtre, parce que c'est plus résistant, et après, il va demander à des praticiens de reporter dans la pierre l'œuvre qu'il a créée. Et donc, à la fin du 19e siècle, début 20e, notamment chez les élèves de Rodin, on revient par rapport à cette tradition, par l'Académie, où on dit non, le sculpteur doit lui aussi travailler directement la pierre, la matière, et donc se travailler dans le corps avec elle. Et on verra comment cela se... Mais pour l'instant, il n'y a toujours rien créé. Et en 1914, commence le début de la guerre, et là, donc, il va s'engager. Donc là, c'est le dossier militaire de Georges Sopic qui est aux archives de la ville de Paris. Alors, il commence la guerre en tant que caporal, il finit en tant que lieutenant, sous-lieutenant. Et alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans cette partie-là, on note aussi notamment ses blessures. Donc, il était blessé au moins deux fois sur le front, notamment une fois où il dit qu'il était blessé lors d'un assaut, qu'il était très énergique, très, très volontaire, un peu tête brûlée aussi, mais qui était capable d'entraîner ses troupes au combat. Donc, c'est intéressant. Et il va recevoir d'ailleurs en 1920 la Légion d'honneur. Et puis après la guerre, donc là, il va commencer à avoir ses premières commandes publiques, puisqu'il va notamment s'attacher à beaucoup de monuments aux morts. Donc notamment le monument aux morts du lycée Henri IV, qui est sa première réalisation, notamment qui est fait par l'entreprise, parce qu'il est un de ses anciens professeurs de lettres était professeur Henri IV, donc il lui a demandé la... Donc on retrouve ce personnage de poilu et puis une femme qui le sort de la tranchée. Et donc il va obtenir beaucoup de commandes de monuments aux morts, donc celui en 4, monument aux morts de Meymac, le Falgou, Saint-Bernard-la-Chapelle, ici l'abbaye, Signy-l'Abbaye, Villerue, Erserange, Montmirail, Saint-Dizier et Langres. Un certain nombre de commandes. Donc ici, on a le monument aux morts de Langres. Donc il réalise en collaboration avec son maître, Astine Rousseau, donc avec ce personnage d'allégorie notamment de la Marne sur lequel repose un poilu. Et puis on retrouve un petit peu ce genre de, même un peu type de bas-relief qu'on peut avoir à Saint-Dizier, travailler en même. Et donc il est assez simplifié. Et le monument, un dernier. Je ne les ai pas tous mis, je vous rassure. Le monument de Signy-l'Abbaye, qui a été intéressant dans son histoire, puisqu'il a été l'occasion d'une polémique. Parce que là, vous ne voyez pas de soldats, juste la tombe avec tout l'équipement. Une veuve qui est assise en train de pleurer, notamment un enfant. Donc, imaginez le fils du soldat, donc orphelin. Et ça a été assez critiqué, justement, parce qu'on ne montrait pas. On cherche aussi à l'époque, c'est de montrer le courage du soldat, le rôle héroïque, être quand même dans une valorisation du sacrifice qui a été fait et non pas avoir une vision qui est trop critique de, notamment critique de la guerre, ce qu'on a pu la reprocher, enfin certains ont pu reprocher à Georges Sopic de monter plutôt sur les aspects tragiques de la guerre, et c'est pas vraiment ce qu'on souhaitait. Donc voilà, pour avoir resitué Georges Sopic au moment où il obtient sa commande à Saint-Dizier. Donc Georges Sopic, donc on va s'atteler à la... Une fois après obtenu dans le concours, on va s'atteler à la construction. Donc on a dans les archives plusieurs devis. Alors ce qui est assez intéressant dans les devis, c'est qu'ils précisent assez peu finalement la partie sculpture en elle-même. Les devis vont beaucoup plus s'attacher là aux aspects techniques. Donc, notamment les fondations, toutes les différentes,
les différentes parties qui dalles reposant sur un blocage. Enfin bon, il y a tous les aspects techniques, la profondeur des fondations, la réalisation du socle. Mais on a assez peu. Donc on a ce devis qui est fait le 2 août. Une délibération de la municipalité donc pour autoriser à passer contrat avec Georges Sopic qui a lieu en novembre. Et la signature du contrat donc, qui a lieu le 17 novembre 1921, donc à la fin de l'année. Et donc ensuite nous avons cette lettre de alors lieu le 3 septembre, donc on est avant la signature du contrat, mais Georges Sopic là, se dit prêt, alors remercie notamment le maire pour lui avoir remis la maquette qu'il avait présentée en concours pour qu'il puisse commencer à travailler. Donc voilà pourquoi on ne l'a pas au musée. Et ensuite, donc il indique la suite, donc signer un marché. Et donc notamment, il précise aussi le versement de son. Hein, donc un tiers vraiment par tiers, donc un tiers au début à la commande, un tiers après l'exécution du premier modèle, et puis un dernier tiers après la finalisation du monument. Ce qui n'a pas encore été totalement décidé aussi au moment du jury, c'est l'emplacement du monument. Donc on a le 31 août, donc ça a lieu exactement à la même période, 31 août 1921, délibération du conseil municipal qui établit que le monument sera installé face à la gare. Alors face à la gare, c'est une proposition de Georges Sopic, notamment qui est intéressée notamment par rapport à la fois c'est le meilleur emplacement libre de Saint-Dizier à l'époque sur un terrain qui est quand même assez dégagé, et aussi parce que ça rappelle le rôle de Saint-Dizier comme notamment c'était une des plus importantes gares de transit pour les troupes, l'acheminement des troupes et du matériel pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est aussi ce rôle-là qu'on veut rappeler en installant le monument ici. Et donc ça c'est la proposition de Georges Sopic qui est suivie par le conseil municipal qui l'approuve. Donc on a notamment ce plan donc qui doit être réalisé après. Donc on a l'indication de l'emplacement. Donc il a été réalisé fin 1921, très certainement, il n'est pas daté, mais on voit donc l'emplacement. Donc avec la gare, les jardins de la gare ici, en face, donc les jardins de l'Octroi, l'avenue de Verdun, et puis donc le monument avec les platanes. Et donc le projet de monument qu'on voit ici. Et donc, sur cette photo, on va pouvoir jouer au jeu des 7 différences. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution du projet en cours de route. Donc là, avec la maquette du jury, le plan du monument, et donc ici, une carte postale qui représente le monument finalisé. Donc on voit qu'il y a eu des modifications en cours de projet, notamment donc on voit au niveau du socle où on a. Donc, sans que ça soit vraiment expliqué, mais une simplification du dessin du socle. Donc, il y avait des colonnes engagées à l'origine et qui disparaissent au fur et à mesure. Donc là, enfin, le rectangle. Et puis quand même sur la réalisation effective, on a eu quand même ces petits éléments en retrait au niveau des angles. N'était pas présent aussi, je crois qu'on le voit, la présence de l'écusson de la ville sur la face avant du socle du monument. On a plutôt une inscription et qui finalement va être reportée à l'arrière du monument et le blason de la ville qui a été mis en place. Autre modification, donc les ailes, comme je disais, étaient prévues sur le projet en bronze. Donc on y a renoncé très certainement pour des questions de coût et aussi pour des questions techniques. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le projet Sopic avait prévu des ailes qui étaient assez élancées, qui pointaient plutôt vers le haut, ce qu'on retrouve encore sur le plan, mais qui finalement, dans la réalité, elles sont quand même beaucoup plus basses par rapport au dessin. Et alors, un changement non moins des moindres qui a fait couler un petit peu d'encre sur le projet. Le soldat avait son fusil à la main, on voit ici, encore ici, et bon, la photo, et on verra d'autres photos, mais sur le monument actuel, le fusil n'est pas dans la main du soldat, mais repose contre son bras.
Et aussi, Sopi qui a préféré plutôt que valoriser le côté guerrier qui pouvait être montré avec le fusil, tout valoriser la mission accomplie, c'est l'idée générale du thème, donc en faisant tenir aux soldats une couronne de laurier, mais avec un fusil qui reste encore non pas désarmé, mais prêt à l'emploi. On va voir aussi des modifications. Bon, la victoire devait arriver sur une base en rocher, et donc on a quand même moins de pas forcément de rochers qu'ils ont représentés sur le monument final, mais plus un ensemble, un sol sur lequel reposent différents instruments et puis des éléments de différentes gerbes aussi, couronne de laurier. Donc là justement une vue un peu plus proche du monument fini, donc là bon, c'est un visuel au moment où il était abîmé, donc où on voit notamment le fait, le soldat qui tient la gerbe et donc le fusil qui est là, qui repose dans le creux de l'épaule. Alors on a eu des imprévus dans le cours du chantier. Ce qu'on s'est aperçu donc en cours de chantier, que les fondations avaient été sous-dimensionnées, donc on prévoyait de creuser juste à 2 mètres, mais ce n'était pas suffisant, donc on a dû recreuser le sol, donc à 3 mètres, pour que ça soit présenté. Également aussi, je ne l'ai pas précisé, mais Georges Topic va présenter le bas-relief du monument, donc les lanceurs de grenades qu'on a vu tout à l'heure, au Salon des artistes français de 1922. Il va être primé, il va recevoir une médaille de bronze, donc avec aussi une maquette du monument de Villeurbanne. Et donc il va avoir l'occasion aussi de se faire connaître à Paris. On a donc justement, je parlais du fusil, donc nous avons cette lettre de Georges Topic où il explique qu'il a des échos comme quoi on l'accuse à Saint-Dizier d'avoir désarmé le soldat. Il explique, justifie en disant non, il n'est pas désarmé, le fusil repose, mais c'est un soldat victorieux, mécontent du travail fini. Donc, il avait la gerbe de laurier. Et donc là, c'est une lettre qu'il écrit au maire, et donc avec cette intonation du maire, m'en parlez s'il vous plaît. Donc il y aurait peut-être quand même eu des incompréhensions, sachant que Sopic réalise sa sculpture dans ses ateliers à Paris, évidemment ses compétiteurs sont à Saint-Dizier. Donc notamment, donc là justement une lettre du maire. Donc nous avons reçu votre lettre. Donc voilà, donc il demande justement des explications sur la précision sur ce déplacement du fusil. Mais après, donc il y a aussi plusieurs visites de chantier, pardon. Donc notamment, nous avons ici un compte rendu qui est fait d'Émile Imbleau, donc qui est qui a plus de facilité pour venir voir le chantier vu qu'il est au Sénat à Paris, donc notamment qui cite différents dans cette lettre, donc avec un avis plutôt favorable quant à l'avancement du travail. L'ébauche avance, la ligne commence à être intéressante, elle est bien souple et ne fera que gagner. Donc on le voit notamment, pardon. Ah. Voilà, l'ébauche avance. Voilà, dans la maquette, le soldat tenait un fusil de manière droite. Pour avoir plus de lignes, l'artiste a cru bien faire de placer le fusil contre le soldat, auquel il fait tenir une couronne de laurier. À une certaine hauteur, l'effet devait être puissant. En tant qu'artiste, il est là aussi pour faire monter les observations de la ville. Donc je me suis permis de faire quelques observations relativement au bas-relief, et M. Sopic m'a promis d'en tenir compte. Voilà. Alors ensuite, il précise, les figures seront achevées sur place. Et donc, on a aussi une visite, donc non seulement Émile Imbleau, mais aussi André Brouillard, donc, qui se déplace jusqu'à Paris pour voir le monument. Désolé, là la lettre est un peu moins lisible, mais bon, un avis, sa visite, il ressort assez satisfait. Notamment, il indique, il est
notamment ici. Le groupe est de haute tenue. Le groupe est très bienvenu et d'une haute tenue artistique. L'envol de la France est très souple et contribue heureusement à la ligne montante des bas-reliefs. Cet envolé fait ressortir la pose d'arrêt du poilu, l'impression de force, courage calme, récompensé. Donc en détaillant, j'estime que ce monument donnera surtout vue de face un ensemble d'une puissance grave qui devrait satisfaire l'esprit net et réfléchi de nos concitoyens. Donc Sopic travaille pendant toute l'année 1922 sur le monument. Les sculptures sont arrivées sans être totalement finies, donc le 22 septembre 1922. Et Sopic va poursuivre les travaux sur place, installation et réalisation des détails, jusqu'au 18 octobre. Et on a une réception réception des travaux qui a lieu le 31 octobre. 1er novembre, j'ai quelques différences selon les sources. Généralement, on indique que le jury avait quelques réserves, mais une très grande satisfaction. Et donc, on a ici, voilà, quelques éléments. Le motif principal, oui. Il faut savoir. Donc, motif des rivières entières, justement, là, c'est un article de journal donc, qui relate l'arrivée du monument à Saint-Dizier. Et oui, on met quelques précisions. Les travailleurs puissent travailler sans gêne et surtout qu'une nettoyage ne soit faite par des imbéciles mal avisés. Une clôture en planche a été édifiée. Bon, ça, la sécurité. Alors, et avec cette précision, quant à la date de l'inauguration, elle serait, dit-on, assez éloignée. En effet. Alors, et le monument n'est pas totalement fini d'ailleurs au moment de la réception, puisqu'il reste à finir l'entourage du monument, et ça ira beaucoup plus tardivement, à la fin de l'année 1923, donc bien après l'inauguration. Justement, je parlais de décalage, la date de l'inauguration qui sera encore bien éloignée, puisqu'en effet, la ville de Saint-Dizier souhaite pour l'inauguration du monument mort. Avoir le privilège d'avoir la participation d'André Maginot, ministre de la guerre à l'époque, qui d'ailleurs doit encore remettre officiellement la croix de guerre à la ville de Saint-Dizier, donc récompense qu'elle a obtenue en 1920, mais qu'elle n'a pas toujours eu de restitution officielle. Et donc, on sollicite notamment par l'intermédiaire d'Émilien Blot, toujours lui, donc Monsieur Maginot pour qu'il puisse venir à Saint-Dizier. Malheureusement, fin 1922, son agenda est complètement plein. Et donc, ça sera reporté au début de l'année 1923. Donc, c'est lui qui, en fait, fonction à la date d'inauguration du monument, se font en fonction de son agenda et de ses disponibilités. Donc, le 7 avril 1923. D'ailleurs, André Maginot, bien entendu à Saint-Dizier, puisqu'il est par ailleurs ministre, mais aussi député de Bar-le-Duc, d'ailleurs quasiment sans interruption pendant toute la période. Le même jour, d'ailleurs, après l'inauguration de Saint-Dizier, fait l'inauguration du monument mort dans Serville et celui de rue Honnonin juste après. Une journée bien, bien remplie. Donc, la date étant fixée, il faut préparer l'inauguration. Donc là, nous avons un rapport. Le maître d'œuvre de l'inauguration, par un coup du sort, c'est le candidat malheureux à la sélection, donc l'architecte de la ville, Gilliot, qui est toujours là. Donc il doit s'occuper de l'inauguration de l'œuvre de son rival. Et donc là, nous avons une note. Alors, désolé, c'est toujours assez mal passé, mais qui reprend toutes l'état des besoins et donc qui précise les besoins de la ville pour l'inauguration du monument. Donc ce qui est dit en substance, c'est qu'ils ont suffisamment de drapeaux et de mâts, ça va. Les écussons, par contre, ils sont très endommagés, il n'y en aura pas assez, donc des écussons représentant le drapeau français. Donc il faudra en racheter et pour une tribune, donc il faudra installer une tribune officielle. Donc il connaît des fournisseurs du côté de Dijon, mais il sait que ça sera hors de prix puisqu'il faudra une tribune très longue parce qu'il y aura assez peu de profondeur pour accueillir le ministre. Et donc il préconise plutôt une fabrication en interne avec une location détenture.
Donc on a justement, et il y aura aussi un grand vélum qui sera installé devant la mairie. Donc on a justement là, par rapport au vélum, donc une indemnisation des ouvriers, puisqu'on a fait travailler les ouvriers des chemins de fer qui sont déposés. Donc pour pouvoir être indemnisés pour la pose des mâts qui ont permis de tendre le vélum devant l'hôtel de ville. Nous avons ici des croquis de JO pour la tribune officielle. Donc assez simple. Entre ici, donc avec aussi une petite figuration des personnages. Et aux archives, toujours les archives municipales du Saint-Dizier, donc il y a cette carte postale qui représente donc la tribune officielle. Donc elle paraît quand même beaucoup plus grande que sur les croquis, mais on retrouve un petit peu la présentation générale avec colonne, drapeau et donc Monsieur Maginot là qui est en train de prononcer son discours devant le monument aux morts. Les écussons qu'il a fallu racheter, donc on a notamment ce petit document donc auprès d'un fournisseur. Donc vous avez ici le dessin. Donc de leur proposer, enfin pour leur proposition d'écusson qui sera acheté par la ville. Donc ils en ont quasiment 300 et ils pourront être rentabilisés puisqu'ils sont aussi prêtés aux communes alentours pour pouvoir être pour leur inauguration de monuments aux morts. Et donc je parlais de l'autorisation des mâts. Donc là on a ici une demande d'autorisation de pose de mâts le long de la rue de Verdun, donc pour pouvoir décorer l'avenue et tout le cortège. Donc notamment le financement. Donc on a une première délibération qui autorise une dépense de 6 000 francs pour l'inauguration, ce qui sera insuffisant. Ils demanderont une rallonge de 6 000 francs pour la suite de l'inauguration. Donc, on connaît bien aussi le processus de l'immigration, car on a tout un programme détaillé qui a été conservé aux archives. Donc, les festivités ont commencé assez tôt, 7h45 du matin, pour notamment cérémonie de décoration des soldats devant l'hôtel de ville. Alors tout se fait évidemment aussi, je ne vais pas le répéter, tout se fait également en musique avec les harmonies, fanfares des sapeurs-pompiers et harmonies de la ville qui sont mobilisées et donc on a également tous les morceaux qui ont été joués, notamment les airs patriotiques, encore aujourd'hui. Donc une fois cette remise de décoration faite par le maire et le préfet, le ministre arrive. Et donc il est accueilli dans un premier temps à l'hôtel de ville, donc il est reçu par le maire, les parlementaires de la circonscription et les principaux fonctionnaires de la ville. Puis on va avoir sur le perron donc la remise de la croix de guerre, donc là nous avons le diplôme au musée qui est présenté à l'exposition et je vais avancer. Donc notamment l'arrivée du ministre, donc qui c'est qui est représenté avec une aide d'honneur, notamment qui est faite par les gendarmes. Donc il va remettre la croix de guerre. Donc on a toute une première série de discours à l'occasion de cette remise, notamment le maire, docteur Mougeot, il va brandir notamment la croix de guerre qui va être épinglée sur un coussin, juste à côté de la Légion d'honneur qu'il a reçue quelques années plus tôt, enfin, que la ville a reçue quelques années plus tôt. Et puis le discours du ministre et du maire, et puis tout le monde part en cortège le long de la rue de Verdun jusqu'au monument aux morts. Donc on a dépôt de gerbes, inauguration, la tribune officielle, donc à laquelle vont s'enchaîner les différents discours. Donc on va avoir le discours d'Émile Humblot, sénateur, le député d'arrondissement de Saint-Dizier, le maire. Donc le ministre et puis les représentants des sociétés d'anciens combattants. Et enfin, en fin de cérémonie, tout le monde revient en cortège jusqu'à l'hôtel de ville. Il y a un vin d'honneur qui est donné au théâtre. Donc le ministre est le dernier à entrer dans l'ordre protocolaire, donc avec une aide d'honneur là aussi qui est faite par les gendarmes. Donc les invités sont au premier niveau, là où nous sommes, non peut-être plus dans le hall. Et la fanfare joue aussi de la musique à l'étage. Donc le ministre part à l'issue du vin d'honneur. Par contre, donc là on a l'affiche de l'inauguration, donc bon, qui reste
plutôt assez sobre. On n'avait pas encore la possibilité de faire des choses très décorées. Détail. Et donc à la mairie a lieu ensuite un repas privé, généralement pour les maires et les élus, où on a encore le menu. Donc assez copieux. Donc en entrée, nous avions des petits friands feuilletés. Ensuite, un premier plat de poisson suprême de turbot sauce aurore, suivi de timbales de riz de veau à la Périgueux petit pois à l'anglaise. Plat principal, la pintade rôtie sur canapé. Salade de saison. Et enfin, les desserts, glace, mocha, éventail, petit four fin et coupe de fruits. Et évidemment, il y avait la boisson, vin fin, donc avec du blanc du château de Larage, en rouge du vin de nuit, du champagne, café, et puis pour le digestif, la fine et de la Mirabelle. Voilà. Ah oui, à l'époque, on était sur des formats de repas assez copieux. Voilà. Et donc sur ce repas, donc s'achève l'inauguration. Donc juste après quelques éléments pour revenir plus principalement sur le monument, bon, on en avait déjà beaucoup parlé. On a aussi cette série de cartes postales donc qui a été faite par Dumas Vorzet. Alors ce qui est assez intéressant parce qu'il semble qu'elles étaient vraiment faites au moment de la construction du monument, puisqu'on voit derrière là, ces éléments-là quand même des éléments de bois qui ressemblent à des échafaudages. Donc très probablement au moment de l'installation du monument. Donc des lignes assez proches. Alors on a justement c'est quand même assez caractéristique de l'art des années 1920-1930, ces lignes qui sont assez épurées, quand même massives. Donc qui montrent aussi une tendance de l'art des années 20-1930. C'est après on a eu dans les premières années du XXe siècle tout un effet d'avant-garde, donc avec le fauvisme, le cubisme, la naissance de l'abstraction. Et les artistes dans ces années, on a ce qu'on appelle le retour à l'ordre, c'est qu'on revient vers des créations qui se rapprochent plus du classicisme, et notamment avec cette figure de la victoire, qui n'est pas sans rappeler la statue antique avec ses deux ailes déployées. Ça fait quand même penser à la victoire de Samothrace. Donc c'est vraiment pareil. Donc voilà, l'inspiration de l'Antiquité, mais quand même une tendance à l'épure ou une forme assez géométrique qu'on voit dans le traitement des cheveux. Donc avec une opposition aux effets d'allant, de déploiement de la victoire, et puis le soldat qui est plus statique, vertical, mais qui comme ce regard vers la victoire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses dans le traitement de profil féminin, donc qui est quand même assez idéalisé, mais qu'on retrouve quelques années après. Donc ça, c'est la Marianne qui l'a réalisé en 1946, au moment de la Libération. On a quand même certaines similitudes dans le traitement du visage, l'allant, le mouvement de la chevelure, qui sont quand même assez intéressants. Non, et permanence des formes. Notamment le bas-relief, donc j'ai pu parler sur cette décomposition de mouvement. Donc on a rajouté ensuite, donc c'est le communiqué du 11 novembre 1918, deux citations de Pétain, donc deux citations différentes de chaque côté. Et c'est aussi un trait qui intéresse notamment dans le traitement de l'aspect moderne, travail de Sepik, notamment sur le milieu, on a une démarche qui est quand même assez cinématographique au moment où se développe le cinéma, qui est quand même un art assez jeune, mais qui fascine quand même les artistes. On trouve là sur une autre œuvre qu'il appelle Cinéma, ce même jeu de décomposition de mouvement. Donc là, bon, on est clairement dans le thème du cinéma avec le projecteur, mais on trouve ce travail comme une pellicule. On voit le mouvement se créer petit à petit. Voilà, donc là, le monument, il y a quelques années. Donc là, je fais un petit excursus donc sur l'histoire récente. Donc on a ensuite rajouté, après 1945, donc les noms des victimes de la Première Guerre. Donc les éléments en bronze, très probablement, ce sont des éléments après qui ont été commandés, achetés sur catalogue et rajoutés. Et donc la tempête. Donc on avait déjà dans l'idée pour le. L'idée était quand même pour le centenaire de faire un nettoyage, parce qu'il était quand même bien sali avec la pollution et le temps. Et puis arrive la tempête, donc là, bon, il fallait faire plus qu'un nettoyage et réparer l'aile.
Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'était quand même beaucoup plus dégradé qu'imaginé. Donc là, c'est les photos qu'on voit quand a été monté l'échafaudage et que vous pouvez voir de près. Vous voyez que là, donc c'est la pierre, je n'ai pas précisé, donc il était réalisé en pierre de ville, donc qui est un des matériaux fétiches de Georges Sopic. Mais il semble qu'il n'ait pas eu le meilleur morceau de la carrière, puisqu'on a cette pierre qui s'est très facilement dégradée, donc délitée, bon, notamment à cause des intempéries. Et comme on voit, ça devenait, au niveau des visages, ça devenait quasiment du sable et tous les reliefs ont été. Il semble aussi qu'il y a eu des restaurations anciennes, puisqu'on voit au niveau des nez des deux personnages, des raccords. Bon, le nez est toujours en sculpture un élément de fragilité assez important. Et donc, il a fallu reprendre, et notamment, quasiment. Alors, la deuxième aile tenait encore, mais c'était limite. Il y avait quand même une très grosse fissure, puisque pour faire tenir les ailes avec cet très grand porte-à-faux, il y a un renfort métallique qui était posé. Forcément, le renfort métallique, avec les intempéries, il a commencé à se corroder. Quand il se corrode, il se dilate, il prend plus de place. La pierre ne bouge pas en même temps, donc ça crée des éléments de tension et donc de fissuration. Et justement, quand donc, on était parti sur l'idée ben, de refaire les visages à neuf, c'est un monument donc il doit avoir dans un état complet, non pas archéologique. Et donc au moment, d'ailleurs dans le transport pour amener donc la partie supérieure dans la tête, la deuxième aile c'est aussi fracturée. Donc il y avait aussi une question de. Donc à partir des éléments, puis des photographies qu'on a pu montrer, donc le tailleur de pierre, Monsieur Alain Berthaud, a pu donc refaire à neuf, donc cette fois plus en pierre de Savonnières parce qu'elle est un peu plus résistante. Alors, désolé. Alors après, je vous invite à aller voir le résultat final sur place. J'ai pas de photos, mais donc on a dû refaire à neuf les visages, notamment la main aussi et certains éléments du socle qui étaient assez dégradés. Au niveau du bras, on avait aussi des lacunes assez importantes. Ici, on avait également la dalle avec l'inscription Monument aux morts 1914-1918 qui était fracturée, qu'il a fallu remplacer. Puisque la problématique, c'est cette dalle qui est sur le socle. Si elle est fracturée, c'est qu'elle laisse rentrer l'eau, et donc elle fait des infiltrations. Et donc là, ça peut créer des désordres intérieurs dans la structure du socle. Donc, si le socle s'abîme, c'est pas très bon non plus. Et donc il a fallu faire tout ça, mais maintenant le monument est tout neuf et il a été nettoyé. Et pour finir, donc quelques mots sur la fin de la carrière de Georges Sopic. Bon, c'est bon, je suis encore dans les temps, tout va bien. Donc Georges Sopic va avoir une très belle carrière ensuite, et notamment un des grands sculpteurs de l'art déco en France de l'entre-deux-guerres. Vous avez ici une de ses réalisations qu'il fait au même temps que le monument aux morts de Saint-Dizier, 1923, donc des bas-reliefs qu'il fait pour un café à Paris, le café du Dôme. Donc on a le champagne, les cigares, le café. Donc on rentre dans les plaisirs des années, les années folles. On reconnaît d'ailleurs la coupe à la garçonne, donc moment d'amusement et d'embellissement. Donc, et avec toujours ce style assez art déco, avec ses formes comme assez simplifiées, plutôt massives, mais assez stylisées. Et cet aspect aussi très graphique. Et tout de suite après, en 1925, donc il y a une grande exposition qui se tient à Paris, l'exposition internationale des arts décoratifs, qui va vraiment être le manifeste de la naissance du style art déco, où tous les grands artistes vont exposer, qu'elle va avoir une renommée internationale. Et Georges Sopic, donc, qui est sollicité par un groupe de sculpteurs, un groupe de la taille directe, justement, qui veut démontrer la qualité, l'intérêt des réalisations des œuvres en taille directe, donc directement sculptées sur la pierre. Sans passer par l'intermédiaire d'éléments de plâtre ou autre. Et donc, il participe à la création d'un pavillon, pavillon 12 France, donc notamment où il réside, pergola, dont on voit encore les éléments, donc ils sont dans la ville d'Étampes. Alors, il faut imaginer que c'était une pergola, donc vous aviez un élément de support comme une treille par-dessus. Et donc, il réalise deux bas-reliefs. Donc, on est autour des thèmes et légendes autour de la chevalerie, on va trouver les légendes médiévales, et sur les côtés des animaux.
Donc il va réaliser ce bas-relief, la légende du Graal, et aussi sculpter donc un auroch qui est assez remarquable par la manière dont il put rendre l'animal dans un espace extrêmement contraint. Et c'est aussi une des grandes caractéristiques de Sopic, qu'on le verra après. Mais c'est un artiste qui, on a vu avec la cathédrale de Reims, qui était assez passionné aussi par l'art du Moyen Âge, et notamment dans la manière dont la sculpture s'intègre dans l'architecture. Lui, Georges Sopic, c'est en son style, il ne cherche pas tellement à déborder du cadre ou faire plier le cadre architectural à la sculpture, mais plutôt à intégrer complètement la sculpture dans le cadre. Et là, donc, il a quand même de manière assez simple mais puissante pour rendre la force de l'animal de l'auroch dans un cadre extrêmement contraint qui ne permet pas de montrer l'intégralité de l'animal. Et il va avoir dans les années donc 1900, à partir des années 1925, il va avoir un mécène principal, Charles Homberg, qui est le directeur de la société financière coloniale, pour lequel il va avoir toute une série de commandes et qui va être son principal mécène. Et mettre sa Sopic appelle sa période coloniale. Et donc là, ce sont une série de quatre statues, donc des allégories des différentes colonies françaises, donc l'Afrique du Nord, les Antilles, l'Afrique noire et l'Indochine, qu'il réalise pour le hall de la compagnie. Donc là, j'ai un deuxième visuel où on les voit un peu mieux. Donc pour cette compagnie. Donc aussi des reliefs assez riches, notamment dans le travail de la pierre polychrome, qui est assez remarquable. Il va réaliser aussi sur l'immeuble de la compagnie, donc 34 rue Pasquier à Paris, donc tout un ensemble de bas-reliefs qui représentent des animaux. Alors vous avez un éléphant, un chameau, un crocodile, un requin, un tigre, un antilope, donc tout le bestiaire des colonies et territoires français d'outre-mer, et un pêcheur de morue de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc là vous avez l'éléphant, le tigre, et puis donc le pêcheur à la morue. Donc là aussi avec un chromium assez c'est ça, intéressant. À cette époque aussi, il va beaucoup travailler sur un sujet orientaliste et coloniaux oblige. On a tout un bestiaire. Il va beaucoup travailler sur la sculpture animalière. Et notamment, bon, il va faire plusieurs études sur place dans les eaux pour représenter, juste pour étudier, faire des séries différentes sur les animaux. Et notamment, c'est ce qui va l'intéresser, c'est cet aspect que les animaux ne posent pas. Donc c'est tout un jeu d'observation rapide et pour lui un travail de recréation en esprit d'une forme qui disparaît très vite, un mouvement passager. Et en 1931, donc c'est l'exposition coloniale donc à Vincennes, à l'époque où on a créé le palais de la Porte Dorée, et donc il va participer à la décoration du pavillon de l'Afrique occidentale française, donc en faisant les éléments, donc c'est un lion et une lionne surmontée d'un vautour, donc dans le patio du pavillon, donc avec une fontaine. Donc là, c'est un journal de l'époque. On n'a pas beaucoup de traces de ces architectures éphémères. Et donc là, un modèle en plâtre qui est passé sur le marché de l'art il y a quelques années, donc qui représente ce couple de lions. Mais fin des années 30, Monsieur Homberg fait faillite et donc Sopic perd son principal mécène. Donc il a quelques années un peu plus difficiles, assez maigres. Il fait quelques immeubles de rapport pour Paris, pour la ville de Paris, et il vote un peu. Et il rencontre Monsieur Pierre Paquet, qui va lui faire une première commande, donc une sculpture de Mao d'Artois pour l'hôtel de ville d'Arras. Et ça va le Oui, c'est 1932, ne me trompe pas, désolé, il manque la fin de la date, ce qui est le relancé, puisque c'est ce même personne qui va être le commanditaire de la Cité Universitaire Internationale et qui va faire appel à Georges Sopic pour l'église de la Cité Universitaire Internationale, donc qui est actuelle église de Gentilly. Alors Georges Sopic va réaliser la sculpture monumentale du tympan, ici, et du portail de l'église, même on a plus que le tympan, et donc les quatre anges monumentaux en bronze du clocher. Donc on a une église qui est de style assez néo-romane,
Donc on reprend l'iconographie qu'on peut trouver assez classiquement donc sur l'édifice religieux, le Christ dans une mandorle, donc entouré des quatre évangélistes, et donc ce qu'appelle Georges Saupic les mystères heureux, les mystères malheureux, donc en fait la vie du Christ, on va retrouver de la naissance Annonciation, qu'on connaît ici, jusqu'à la crucifixion, résurrection. Et comme on est sur l'église consacré à la cité universitaire, sur les montants de la porte, au nom des montants de la porte, on va trouver les différentes figures illustres de l'histoire de l'Université de Paris. Donc les grands penseurs théologiens qui ont participé, Robert de Sorbonne, Thomas d'Aquin, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc, également, il va voir ensuite participer à la construction du Normandie. Il va faire quatre bas-reliefs pour le hall d'accès, le salon-galerie de première classe, alors, autour d'un thème qui est la Normandie légendaire et maritime. Donc, avec des épisodes de l'histoire viking, donc notamment, alors, je ne sais pas si je l'ai là ou pas, mais Éric le Rouge découvrant le Groenland. Et des épisodes plutôt mythologiques. Là, vous avez une Valkyrie qui surmonte des Vikings qui sont en train de remonter la Seine, où on va voir des présentations d'Odin et Freya. Donc là, on est vraiment dans un style qui est très art décoratif, qui vise à plaire la clientèle aisée de première classe, donc avec beaucoup de motifs très décoratifs, avec beaucoup de motifs assez chargés, on pourra trouver à l'époque. Donc avec là des jeux qui sont beaucoup plus des aimants de la courbe, ondulation, qui rappelle en maritime. Et 1937 aussi, il participe à la décoration du palais de Chaillot, donc sur le Trocadéro. Donc il va faire ce bas-relief consacré à l'Asie. On trouve aisément dans la période coloniale, donc deux figures de femmes, le tigre et les animaux qu'il aimait aussi beaucoup représenter. Il fait aussi une sculpture, une présentation féminine sur le parvis du palais de Tokyo, qui est construit, qui fait partie aussi de ces monument, ce qui lui vaut en 1938, donc il était déjà chevalier de la Légion d'honneur à l'issue de la guerre, et il devient officier de la Légion d'honneur après l'exposition. Notamment, autre projet dans la fin des années 30, l'église Sainte-Anne à Tavaucité, donc pour la cité ouvrière de l'usine Solvay, donc en construction d'une église. Et donc là, on voit un petit peu, c'est un peu le grand écart par rapport au précédentes images, donc on est très décoratif. Là, on retourne à une forme d'épure romane, avec donc Christ en croix, qui de loin apparaît comme une croix assez pure, donc avec aussi ce jeu de pierre qui rappelle les arcatures longues. Et puis un Christ qui est assez hiératique, assez décharné, comme on peut avoir dans la sculpture romane. Arrivent les années de guerre, donc Saupic va s'engager à nouveau, notamment au début de la guerre. La carrière évidemment artistique est plutôt ralentie. Il va avoir une période de captivité suite au premier combat, et ensuite bon, il revient, continue à travailler, mais il participe aussi à la résistance, notamment en 43 et 44, donc notamment des réunions, et il dirige les volontaires des musées nationaux au moment de la libération de Paris, ce qui lui vaut donc en 1947 la croix de guerre avec palme. Et durant la guerre, il fait donc alors plusieurs commandes qui sont plutôt liées à des monuments publics de grands hommes, notamment parce que la période de la Première Guerre est une période assez destructive pour la sculpture monumentale, puisque tout ce qui était en bronze a été notamment fondu, et donc certaines municipalités qui ont cherché à remplacer des sculptures qui ont été détruites donc dès le milieu de la guerre. Donc on a, et bon, c'est des travaux qui ont duré un peu plus longtemps, qui finissent en 1946, mais qui sont commencés pendant la guerre. Donc représentation de Rabelais à Meudon, ou monument Hector Bellioz à Paris, en remplacement de sculptures qui ont été détruites, comme le Jean Jaurès dont je parlais tout à l'heure aussi, qui était fondu pendant la guerre et reconstruit ensuite. La sculpture a été recréée ensuite dans les années 50 à Saint-Denis. Autres travaux qui
commence à faire pendant la guerre, le chemin de croix de la cathédrale de Chartres, donc avec notamment cette mise en tombeau qui est assez remarquable aussi par le jeu dont il arrive dans un espace extrêmement contraint, mais de manière aussi extrêmement lisible à figurer donc la mise en tombeau du Christ, donc avec les saintes femmes et puis le Christ et tous ces personnages qui sont imbriqués de manière assez forte, mais extrêmement lisible. Donc, dans les années d'après-guerre, il participe aussi donc plusieurs travaux. On peut notamment citer le hall de la gare maritime du Havre, donc qui réside des sculptures, donc là qui sont plusieurs opérations. Donc, on a des vues de l'époque. Malheureusement, la gare maritime du Havre a récemment disparu. Donc on a également la fameuse Marianne dont je parlais tout à l'heure, qui est un concours de la ville de Paris en 1944, donc qu'il remporte, et qui devient extrêmement répandu. C'est Mairie d'Espard, dont j'ai fait une petite coquille. Donc extrêmement répandu, d'ailleurs, que vous pouvez encore acheter, puisqu'ici, donc ça c'est le modèle que vous pouvez acquérir sur le site des ateliers de moulage de la RMN Grand Palais, notre partenaire Amuse, mais qui peut encore le proposer, qui fait partie du catalogue. Donc voilà, donc, qui a été vraiment beaucoup utilisé pendant la 4e République. Encore un monument, bon, il en fait quand même beaucoup moins après la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est un monument qui est dédié aux héros des chemins de fer, donc sur le siège de la SNCF, rue Saint-Lazare. Oui, il faut bientôt que je conclue. Des commandes aussi à l'étranger qu'il reçoit, donc notamment cette Vierge de la Miséricorde, donc qui est à Londres, à l'église Notre-Dame de France. Donc là aussi, forte influence de l'art roman, donc avec cette figure de Vierge en Majesté avec l'enfant Jésus sur les genoux. Et donc cette iconographie aussi qu'on retrouve, donc où elle recouvre de son manteau les croyants. Et donc là, vous avez une photo de Georges Topic en train de la sculpter. Alors, j'ai assez peu de Georges Topic jeune. J'en ai trouvé quelques-unes où il est plus âgé. Et également, après la guerre, donc paradoxalement, il retourne aux Beaux-Arts, où cette fois, il devient enseignant, professeur à l'école des Beaux-Arts, et donc enseigner à ses élèves, donc notamment ses différents principes. Et il va aussi, dans sa méthode d'enseignement, il va beaucoup associer ses élèves aux différents travaux, aux commandes qu'il va avoir. Notamment, je pense aussi que de son expérience, le fait d'avoir été uniquement en atelier, pense aussi qu'il y a à faire participer les élèves à ses commandes pour qu'ils puissent aussi se former sur des projets, différents projets qu'il mène. Donc là, notamment en tant que professeur, il insiste sur l'importance de la matière, le sens justement de tailler sa sculpture complètement, ne pas juste faire des travaux de modelage, et de s'inscrire aussi de faire notamment de la sculpture liée à l'architecture. Donc on retrouve dans ces principes. Aussi, en fin de sa vie, il retourne à Reims, puisqu'il participe aux travaux de restauration de la cathédrale, notamment s'il réalise cette sculpture, qui est la Vierge du Couronnement, qui est sur la cathédrale. L'original médiéval a été déposé au Palais du Tau pour des raisons de conservation, et donc il fait cette sculpture. Donc, aussi dans les derniers travaux, donc en 1957, à Rouen, sur le pont Boieldieu, donc cette allégorie, donc le père océan et l'aventure, donc sur le bateau, et donc là, la Seine et ses affluents. Donc là, on est vraiment aussi dans les artistes. L'art décoratif, donc, qui était important dans les années 1920-1930, se poursuit, on est vraiment sur les périodes un peu tardives, dans les années 40-50, avant de s'éteindre, et là, on est vraiment dans les dernière période de ce style. Et on a ici une photographie de sa dernière œuvre, donc un disco ball. Donc on a l'influence antique qui est assez manifeste. Donc il installe Jules Noël, donc Prince Châtillon, donc à Paris.
Et c'est sa dernière œuvre puisqu'il n'a finira pas. Parce qu'en 1961, au moment où il prépare une grande exposition sur ses travaux, il décède brutalement la veille du vernissage en laissant cette œuvre inachevée. Voilà. Et il laisse aussi inachevé donc un ouvrage qu'il avait en projet sur les techniques de la sculpture. Notamment, il reprend, donc je vais peut-être répéter la citation qu'il avait indiquée, la sculpture est résumée, la condensation de tous les dessins, de tous les contours que l'artiste a pris sur le modèle vivant, c'est-à-dire les profils, vus dans tous les sens, se complétant et se corrigeant les uns les autres. Voilà. Et ces profils, l'artiste les enregistre et les traduit avec son tempérament propre, en les simplifiant, les exagérant, selon ce qu'il voit simple ou ce qu'il ressent comme une hypertension de la nature en lui-même. Voilà, donc j'espère que ces éléments sur cette essai de Georges Sopic, voilà, nous concluons ici cette conférence, donc qui nous permet de retracer l'histoire du monument de Saint-Dizier, mais aussi de l'artiste qui l'a créé, et de mieux connaître cette personnalité qui était importante dans le monde de la sculpture monumentale en France des années 1920 à 1960. Et si vous avez des questions, je suis à vous. Alors, je ne sais pas précisément où il est enterré. Oh, très probablement à Paris. C'est quand même ce qui est le plus probable, vu qu'il a vécu toute sa vie à Paris. Alors, je vais essayer d'y retourner rapidement. Oui? Alors, bah, généralement, il y a plusieurs raisons. Bon, il y a les choix de l'artiste, comme je vous dis, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de modifier. On a vu que ça avait quand même amené certaines remarques sur les modifications. Après, il y a les aspects techniques, puisque vous faites une maquette, certes, qui est en plâtre, donc il y a des choses qui vont tenir un petit peu plus facilement. Mais vous vous apercevez qu'à la transposition en pierre, ça passe moins bien, c'est plus compliqué, on n'est pas sûr que ça va tenir. Sans doute d'où la raison que les ailes ont été un petit peu redescendues. Il y a aussi des questions de coût, parce que, il y a un budget à ne pas dépasser, et finalement, peut-être en se rendant compte, peut-être avoir un socle avec des colonnes engagées, peut-être que ça coûtait plus cher à mettre en place, et donc l'artiste a dû revenir vers des choses un peu plus simples. Donc il y a ces différents aspects qui permettent d'expliquer les modifications. Bon, sans qu'on sache évidemment, c'est vraiment une raison, ce sont des hypothèses, mais ça fait partie des différentes possibilités qui peuvent justifier ces modifications. Après, dans l'ensemble aussi, ce qui, moi, c'est que l'esprit général de la maquette, de la proposition qui a été faite au jury, a quand même été respecté. Il n'est pas du tout parti non plus sur quelque chose qui est complètement différent. On est quand même sur des éléments de détail par rapport au projet initial. Oui. 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 Alors il avait quand même une bonne carrière. Alors j'ai pas étudié toute sa carrière. Alors le monument qu'il a fait, bon, il n'a pas fait pour rien, puisqu'il a, comme Georges Sopic aussi, il a proposé ce projet à diverses municipalités et il était retenu par la ville de Morteau. Et donc on peut voir cette œuvre aussi pareil avec des petites modifications, mais on peut un peu moins imposant que sur le projet de la maquette, mais on peut le voir actuellement, il a été réalisé, il est à Morteau. Après lui, Georges Seurat, si je me souviens, il devait être peut-être un peu plus âgé, puisqu'il décède dans les années 1930, si je me souviens, dans 1940, de manière un peu plus tôt. Alors, le sculpteur de la ville de. Alors, il n'est pas juge, il n'est pas membre du jury, même si on reconnaît que, bon,
c'est un peu limite. Oui. Alors, les documents manuscrits, alors, bon, ce n'est pas des choses que des lecteurs mal intentionnés ont fait. En fait, les notes, ce sont des documents qui, quand ils ont écrit, ils ont été faits pour être utiles et utilisés. Donc, en fait, là, c'est quand même plutôt intéressant pour nous, ces annotations, parce que ça, ce sont les notes des personnes qui l'utilisaient, justement. Pour souligner ou repérer les informations importantes pour faciliter en fait, la consultation pratique en 1923. Évidemment, c'est vrai que maintenant, avec le recul, on se dit ah, ça a été raturé, c'était mal, mais c'est les indications d'usage. Et des fois, ça peut être intéressant. Comme j'ai dit, la petite indication du maire, on m'a en parlé, s'il vous plaît. Bon, ça donne aussi une information sur une réaction ou sur du. Sur l'effet qu'a pu produire la lecture de ce document à son lecteur à l'époque. Alors, bon, il y a l'exposition. Par contre, après, je crois pas à ma connaissance qu'il y aura après une commémoration plus particulière. Bon, après, le monument était déjà restauré. Comme... Voilà, donc je vous invite aussi chaleureusement. Alors, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions? Oui, après je vous invite pour prolonger cette conférence, à vous rendre au musée voir l'exposition, donc qui est visible. Alors, musée, pour rappel, est ouvert du mercredi au dimanche, 13h30, 17h30, l'entrée est gratuite. L'exposition sera visible jusqu'au 20 août. Également pour les cycles de conférences, je vous rappelle, nous aurons une prochaine conférence en partenariat avec la LPO dans le cycle, donc dans la nature de l'homme. Donc là, c'est la fin de l'année, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus ludique. Ce sera une conférence dérapante, donc qui commencera à 20h. Et donc on sera à la fois entre la conférence classique et la pièce de théâtre, ou plutôt la performance. Et pour la fin de l'année, donc le cycle de conférences jeudi, ça prend fin là, avec cette conférence-ci, mais au mois de juin, donc à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, donc nous aurons trois conférences programmées. Donc le vendredi, donc même endroit, 18h30 aussi, au théâtre. Donc avec une conférence, la première qui portera donc d'Arthur Guibles-Stark. Donc de l'INRAP, qui viendra évoquer les diagnostics qui ont été faits à Joinville et qui ont donné un certain nombre d'informations très intéressantes sur les origines de la ville, et notamment permettre aussi de reculer la date de création de la ville de Joinville. Donc pourra nous présenter ces premiers éléments qui ont été découverts en fouille. Le samedi 17, donc nous aurons le privilège d'avoir donc François Desbrosses de l'INRAP qui viendra nous présenter le néolithique en Champagne, donc une découverte de la période assez large au moyen de manière privilégiée de sites champenois. Et enfin, donc le dimanche, donc Raphaël Duros et Stéphanie Desbrosses-Écobertière qui viendront présenter la campagne de fouilles 2022 au Crassé, donc pour tout savoir sur ce qui a été découvert l'année passée, voilà, pour compléter la visite du site qui sera ouvert donc le samedi et le dimanche, porte ouverte tout le week-end. Merci beaucoup.